Eh bien bonsoir à tous, c'est Daramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, nouvelle mise à jour, on va voir ce qui est sorti, donc les nouveaux officiers. Il y a eu des changements aussi au niveau des missions, il y a une nouvelle seconde partie, il me semble, de l'arc de mode qui arrive. Maintenant, partie 3 justement. Partie 3 qui arrive, on va voir un peu tout ce que ça a changé. Donc commençons peut-être par les changements mineurs. Donc on a eu... À ce que j'ai compris, j'ai pas vraiment regardé par rapport aux mines de data. Il y a eu des changements par rapport à leur capacité. Mais j'ai pas trop compris. En gros, il y a des mines qui sont plus grandes. Il y a des mines qui sont plus petites, qui sont toujours à 3700. Mais apparemment, ça n'a pas trop changé. Il faudrait que je regarde ça plus en détail. Mais voilà, petit changement à ce niveau-là. Parce que les mines allaient trop vite, en fait. Changer toutes les moins de 10 secondes, c'était un peu trop rapide. Du coup, il y a eu un changement là-dessus. Ensuite, peut-être passons un peu aux armadas épiques. Les armadas épiques sont enfin arrivées. Vous pouvez gagner des tokens d'armadas épiques en faisant des armadas communes, donc dans les parties ici, et tout simplement en, comment on appelle, en ouvrant des coffres d'armada du coup. Et justement, je regarde juste, il n'y a pas d'autre armada. La seule armada que moi j'ai trouvée, c'est elle, à 45, qui est arrivée, il me semble, avec ses nouveaux systèmes. Je les ai jamais vus avant. Donc, c'est la seule armada que j'ai pu trouver. J'ai pas vraiment regardé, mais c'est la seule pour moi. Donc, une armada à 500 000 de puissance. On peut voir qu'il y a des personnes qui l'ont déjà testée. Elle était probablement à 500 millions de coques. Et là, elle est plus qu'à 479 millions. J'ai aucune idée des... comment on appelle, des vaisseaux qu'ils ont utilisés. Mais vu les vaisseaux qui sont là, c'était probablement des Stella. Les vaisseaux qui étaient autour. Mais en gros, elle va être intombable. Et ça va être la ruée pour obtenir les tokens ici. Surtout s'il y a une armada. Ça va être une... Ça va être... Ouais, ben... Un joyeux bordel, on va dire, sur tous les serveurs, s'il n'y en a qu'une. C'est pas comme... Ça me rappelle un peu les armadas Borg. Sauf que les armadas Borg, en tout cas, sur notre serveur, chacun avait son armada. Voilà. C'était personne startait l'armada d'une autre alliance. C'était chacun avait son armada, chacun se débrouillait. Mais là, pas trop, j'ai l'impression. Parce que je suis allé voir un peu dans ces systèmes. C'est vraiment des hostiles Eclipse. J'arrive pas à cliquer dessus. Puis voilà, rien d'exceptionnel non plus ces éclipses, pas comme si ça avait un loot bien plus élevé que les éclipses qu'on peut trouver dans les systèmes ici ou là. Ce qui est pour moi un peu dommage, il me semble. Juste regarder si... Ouais, il y a quand même un peu plus ici même. Hein. Même un peu plus ici. Donc voilà, c'est... Ils ont vraiment rien de spécial ici. Hein. À part qu'ils sont, ils ont probablement une puissance un peu plus faible. Je peux regarder. Mais voilà, rien d'incroyable. Maintenant, passons un peu aux officiers. Donc, on a eu un tas de nouveaux officiers. Et ça, je trouve bien. Parce que c'est des officiers qui sont du groupe... D'accord, il faut que je mette le groupe. Ils sont du groupe de mode. Voilà. Et je trouve ça bien parce que on va voir que c'est des officiers qui marchent dans les systèmes Eclipse. Et pourquoi je trouve ça bien, c'est parce que déjà on sait qu'on a avant de base on avait un seul équipage pour les hostiles vraiment efficace, c'était Pike, Moroshen, Delan à voir hein, selon où est-ce qu'on va. Et du coup, c'est à dire que tu devais faire tes hostiles normaux avec Pike, Moroshen, mais en même temps tu pouvais pas faire les hostiles avec ton Franklin parce que tu avais pas Pike, Moro, Delan. Après, au début du Vidar, on pouvait faire qu'avec Pike, Moro, Shen. Ou Talan, je sais plus si c'est des bombardiers ou pas. C'est des intercepteurs, pardon. Du coup, ça fait que tu avais trois vaisseaux différents avec lesquels tu devais avoir pour les trois le même équipage. Donc en termes d'efficacité, tu étais tout le temps bloqué. Il y a les officiers Borg qui sont arrivés. Donc ça, c'est bien. Il y a des officiers qui marchent que dans une certaine zone. Maintenant, tu as les officiers Eclipse. Ça, je trouve c'est vraiment bien. Des officiers qui marchent que dans une certaine zone. Comme ça, ça libère de l'espace. Tu peux faire deux choses en même temps, en fait. Moi, je peux utiliser mon Enterprise, utiliser mon Vidar. Je vais pouvoir utiliser mon Stella. Parce que j'aurai trois équipages totalement différents.
C'est ça qui est vraiment intéressant avec ces officiers Eclipse, c'est qu'ils apportent un peu de... Tu peux plus respirer, on va dire, t'es moins bloqué sur un équipage. Donc on va tous les voir, je pense, assez rapidement. Ils ont rien d'incroyable. Hein. Donc, d'ailleurs, j'ai envie de, peut-être en avançant, à parler de la boutique qui a été changée. Ici, qu'est-ce qu'ils ont changé? Ils ont ajouté, justement... Ah oui, il faudrait qu'on en parle. Là, le système de recrute, tu peux recruter ces deux-là. Quand t'es au niveau... comment ça s'appelle? Troublemaker. Probablement, quand je passerai à Scoundrel, je sais pas ce que ça veut dire, je pourrais débloquer des rares. D'accord? Mais avant, je peux pas. Hein, c'est comme pour les augmenter. Hein. Au début, tu peux pas débloquer Khan là-dedans. Hein. Tu peux pas. Faut attendre. Il me semble. Hein. Appelle plus, mais plus tu montes un niveau, plus tu peux débloquer des rares, puis des épiques. Enfin, assez rares, puis épiques. Donc voilà. Il y a aussi un autre truc qui a été ajouté, c'est que maintenant, avec les particules de Stella, tu peux les transformer pour obtenir des ressources 3 étoiles assez rares. Peut-être 4 étoiles pour les plus hauts niveaux. Probablement pas 2 étoiles, je pense. Je pense que c'est... Non, en fait, ça doit être que du 3 étoiles. Et ça, je trouve intéressant parce que ça donne enfin une bonne raison de scrap le Stella, donc de l'envoyer à la déchetterie. Parce que autrement, ça ne servait pas à grand-chose. Hein. Vraiment, ça ne servait pas à grand-chose. Maintenant, on peut obtenir de bonnes ressources. Peut-être pour moi, juste pas assez. On va pas se mentir. Peut-être juste pas assez. C'est toujours ça en plus. On va pas se mentir, c'est toujours ça en plus. Parce que vraiment, le problème, c'est que si tu scrapes ton Stella, bah, c'est pendant 2-3 jours, tu peux pas l'utiliser parce que t'es trop faible. Donc, il n'y a même pas de réel intérêt de scrap le Stella maintenant pour aussi peu de ressources. On va pas se mentir, ne scrap pas le Stella, à part s'il est vraiment extrêmement faible en niveau. Mais moi, je sais que je vais pas le faire maintenant, parce que je suis encore faible sur les armadas. D'accord? Je vais pouvoir le scrap quand j'aurai vraiment accumulé assez de... Déjà, quand j'aurai passé de réputation pour pouvoir obtenir... comment ça s'appelle? Où est-ce que c'était? Pour obtenir... Non, c'est pas là. En gros, ça, voilà, l'uranium commun, mais en rare. Parce que avant ça, ça me sert à rien. Donc voilà. Donc en gros, ne scrape pas ton Stella à part s'il est vraiment au niveau palier 1, quoi. Ensuite, officier. Et après, on s'arrêtera là. Donc il y a pas mal d'officiers, comme j'ai dit. On va voir lesquels sont intéressants, etc. Selon moi. Donc, les deux communs qu'on peut débloquer directement depuis la boutique de faction. Capacité du capitaine. Si l'ennemi est un Eclipse, un hostile Eclipse, voilà, et ça concerne aussi les armadas, tu réduis les dégâts critiques de 20%. Voilà, tout simplement. Les 3 premiers rounds, tu augmentes les dégâts critiques du 20%. Sincèrement, c'est pas incroyable, parce que tu te bases sur le fait que ça crit. Moi, j'aime pas trop ça, mais pourquoi pas. Quand tu combats un Eclipse hostile, tu vas réduire la mitigation, je sais plus comment on dit, du bouclier de 4%. Rien d'incroyable, on va pas se mentir, c'est 4% en gros de dégâts qui vont passer le bouclier en plus. Rien d'incroyable. Et ça inclut aussi les armadas. Et là, tu vas augmenter ta déflexion du bouclier de 35% et l'armure et le dodge, donc l'esquive, de 100% durant tout le combat. Donc ça, c'est très très bien par contre. C'est très très bien. Mais la capacité de capitaine n'est pas incroyable. Ensuite, Goon. Quand tu combats un hostile, Goon augmente les chances de coup critique de 20% pour le premier round. C'est pas bon. Voilà, c'est pas bon du tout. Et Goon augmente l'XP gagné du vaisseau de 15%. Donc à voir si ça marche, cet XP, parce qu'il y avait justement un des membres de l'équipage de Pike qui augmentait, enfin deux des membres de l'équipage de Pike qui augmentent l'XP que tu gagnes, mais j'ai fait mes tests pour l'Envoy, tu te rappelles, quand je voulais le scrap à chaque fois pour gagner des ressources 3 étoiles, en déposant des ressources 2 étoiles avec la déchetterie, ça ne marchait pas. Donc voilà, à voir si ça marche cette fois. Donc, Raw Mud. Elle augmente les stats de 50%. Donc, ses stats à elle quand elle est capitaine. Donc, c'est. Je sais pas si c'est vraiment incroyable. En tout cas, pas à l'utiliser quand elle est faible.
Parce que plus les stats sont élevées, plus les 50% vont avoir une efficacité. Donc attendre qu'elle soit vraiment puissante en termes de niveau. Et au début du combat, elle a une chance de 20% d'augmenter les dégâts infligés par le vaisseau. De 300% par rapport au total de l'attaque des officiers du vaisseau, d'accord. Donc il faut avoir des bons officiers sur le pont pour que ça augmente réellement massivement. A voir si 300%, à pas se mentir, c'est quand même beaucoup. Plus en plus, le fait que tu peux augmenter donc justement ces 20% en la passant de palier, ça peut être intéressant. Avix, donc, quand il combat un style Eclipse, une armada aussi, les 3 premiers rounds du combat, Avix augmente ses chances de coup critique de 20%. Voilà, c'est pas incroyable. Ah, pardon, je crois que je me suis... J'ai toujours ce doute. Est-ce que c'est la capacité... Non, c'est la capacité d'en bas qui augmente, oui. Et quand il combat un style Eclipse, les armes aussi, Avix a 25% de chance de réduire la déflexion du shield, l'armure et le dodge de 20% pour le style. Donc ça, c'est très bon. A voir si ça se cumule, mais à mon avis, non. D'accord, c'est-à-dire que si tu utilises dans une armada 4 Avix, donc chacun, enfin donc 5 Avix en tout, tu n'auras pas une réduction de 5 x 4, 200% de l'armure du dodge de l'opponent, à mon avis, parce que sur une armada, tu pourrais passer n'importe quelle armada. Après, à voir, parce que vu que l'armada était à quoi, 500 millions de puissance, hein, l'armada épique, à voir si ça ne se cumulerait pas, parce que c'est extrêmement dur de lui faire des dégâts. Mud, bah, ça on s'en fiche, ça fait longtemps qu'il est là. Uridis, donc quand le vaisseau prend des dégâts dans le shield, Uridis augmente les dégâts des armes de 10%, donc 10% de dégâts en plus. Et ce qui est intéressant, c'est la capacité d'officier qui joue avec elle, avec sa capacité de capitaine. Quand il n'y a plus de shield, Uridis a 35% de chance de justement faire réapparaître ce shield pour 5%, afin que justement sa capacité d'officier se remette en route et qu'on puisse augmenter les dégâts de 10% parce que le shield a repris les dégâts. Attention, hein, le vaisseau n'est pas intuable parce que le shield se régène à chaque fois. Il se régène pas à chaque fois, mais quand même 35% c'est beaucoup. Tu peux probablement passer à 50, voire 60% si tu augmentes. C'est pas parce que le shield revient à chaque fois que tu prends plus de dégâts, d'accord. Même si les dégâts sont bien réduits, tu prendras encore des dégâts dans la coque, même si un shield, hein, n'oublions pas ça. Et le dernier, c'est Mud. Il a une chance, il a 40% de chance d'augmenter la mitigation du bouclier de 98% pour les deux premiers rounds. Donc c'est-à-dire qu'en gros, tu vas prendre 0 dégâts. Donc ça, c'est vraiment bien. Si ça proc, extrêmement bien. Et il a 20% de chance de faire un double hit le premier round. C'est-à-dire qu'au lieu de tirer une fois, tu tires deux fois avec toutes les armes du Stella. Donc c'est pas dégueu du tout. Pas dégueu du tout, on va pas se mentir. Il y a des bons officiers dans les épiques et dans les rares. Dans les communs, il y en a un qui est pas mal dans ses capacités d'officier. Là, un des deux communs. Mais autrement, voilà, c'est surtout dans les épiques et dans les rares qu'il y a des bons officiers. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si t'as des questions, si j'ai pas traité d'un sujet parce que je l'ai pas vu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. C'était Taramanel sur Star Trek Fleet Command.